Benjamin Orsay aurait dû fêter ses 16 ans cette année. Mais il est mort d'une infection alimentaire au lendemain d'un dîner en famille dans le Quick Cap Sud d'Avignon. Un drame indélébile pour les parents. Quand vous rentrez, que vous dites « Ah ben tiens, il va arriver du collège », eh ben il n'arrive pas. Puis au bout d'un moment, vous dites « Ben, il ne viendra plus ». Et que pour aller lui parler, ben, on va au cimetière, parce qu'il faut parler à ce petit qui est parti trop vite, sans qu'on ait le temps de lui dire au revoir. Et il est parti devant moi. Les liens entre l'absorption de deux hamburgers par l'adolescent et son décès ont été établis par le procureur de la République le 18 février 2011. Des questions sans réponse subsistent encore. Les contrôles que Quick fait font, je dirais, c'est pour moi, c'est du pipeau, quoi. Voilà. Et ça, je veux savoir la vérité sur ça, quoi. Voilà. Parce que si c'était si draconien, ils n'auraient pas trouvé autant de bactéries qui normalement ne devraient pas y être. Bon, pourquoi? Peut-être un souci d'hygiène. L'ex-gérant de Quick Cap Sud est mis en examen pour homicide involontaire par une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence. Le dossier est toujours en cours d'instruction. Le groupe Quick, qui est le franchiseur, du point de vue de la procédure, n'est encore jamais apparu. Quick n'est pas encore dans le dossier. Alors, je dis encore, mais je ne peux pas vous en dire davantage. La demande du groupe Quick de se porter partie civile a été rejetée par le juge d'instruction, tout comme la demande du franchisé. Philippe Kérard espérait que sa mise en examen soit requalifiée en situation de témoin assisté. Contacté à plusieurs reprises par téléphone, l'avocat du gérant de Quick Cap Sud n'a pas souhaité répondre à nos questions.